RTL Sport. Le fait du jour avec Vincent Legrève. Le Sporting d'Anderlecht a repris le chemin des entraînements hier matin. 22 joueurs étaient présents, quelques-uns étaient absents. Mais ce que vous avez retenu, vous Vincent, eh bien c'est le manque de communication au sein du club. 10h hier matin, devant le terrain annexe du stade Constant Vanhoenstock, sont présents 7 journalistes, 2 ouvriers, une trentaine de voitures et 3 camionnettes. Les joueurs, pas là. La direction, pas là. Le nouveau responsable presse, pas là. Et cette question, où aura lieu ce premier entraînement de cette saison 2009-2010? Pas sur ce terrain-là, car il était ensemencé. Pas sur la pelouse principale, car les ouvriers sont en train de placer les tuyaux du futur chauffage par le sol. Bon, alors ce sera à Nirpede, l'obscur centre d'entraînement du club. 10h20, 22 joueurs déboulent sur la pelouse, sans ligne, et devant une foule endiablée, composée de 2 supporters. Immédiatement, on remarque les absences de Boussoufa, Biglia, Frutos, Zitka, Bernardez ou encore Hernic, tous blessés ou excusés. 22 joueurs et aucun nouveau. Ah si, sur le banc, il y a le nouveau médecin-chef Louis Kinen et la nouvelle diététicienne, figurez-vous qu'elle s'appelle Catherine Brahi, et sur la pelouse, le nouveau préparateur physique Mario Inorato. 11h50, fin de l'entraînement léger. Ariel Jacob sort de la pelouse. On lui demande à quelle heure aura lieu l'interview. Réponse d'Ariel, je n'ai rien à dire. Tout sera inscrit sur le site internet du club. Et donc, vous avez été sur le site pour finalement y trouver les informations déjà connues de longue date. À savoir la nature des blessures multiples, la mâchoire abîmée de Boussoufa suite à son contact avec Bollat lors du test match retour et la revalidation de Frutos en Argentine. C'est gentil, mais on le savait depuis des semaines. Le fait que Gillet et Châtel se sont contentés d'exercices individuels, ça c'est gentil aussi, mais on était là, on l'a vu. C'était donc hier matin, le premier entraînement du club qui se déclare le plus grand du royaume et qui entend devenir encore plus professionnel. Désolé, mais c'est loupé. Un peu plus de 3 semaines après la perte du titre à Sclessin, les mauvais blancs ont donc toujours la gueule de bois. Vincent Legrève, vous commence à faire des copains en 2 minutes 47 sur Bell RTL.